Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ces deux pages, il ne nous reste plus beaucoup donc il nous reste celle-ci et celle-ci. Donc j'ai choisi de mettre des pochettes assez épaisses de part et d'autre, donc j'ai pris un papier. J'ai pris un papier de la même largeur que ma page, d'accord? Et j'ai rajouté 0,5 et 1 cm. Et dans la hauteur aussi, j'ai rajouté. Alors, pour la largeur, j'ai rajouté des deux côtés. C'est-à-dire 18 plus 0,5 plus 1 plus 0,5 plus 1. Et dans la hauteur, j'ai pris juste la hauteur qui est 16 plus 0,5 plus 1 cm. Et j'ai coupé, bien sûr, comme on fait d'habitude, comme je vous ai montré pour les. Et j'ai fait ma petite forme à la main avec le gabarit que j'ai fait pour utiliser ici. Donc je l'ai fait à la main. Au lieu qu'il soit sorti comme ça, je l'ai rentré plus tôt. D'accord? Et voilà. Et j'ai arrangé les petits coins. J'ai coupé en même temps parce que il faut le faire avant de poser. Pour rectifier tout ça, donc le matage, et maintenant je vais tout simplement essayer de. Je vais voir peut-être ce bleu là. Je veux éviter le rose, on en a déjà utilisé. Le vert déjà, ce petit bleu. Si je trouve la nuance, c'est bon, sinon je fais avec ça. Et c'est ça que j'avais choisi au départ. On verra bien. Donc je regarde mes nuances. Donc voilà.
Je vais encore rajouter des doubles cartes ici. Donc, mais pour l'instant, c'est bon pour moi. Ça, je verrai à la fin avec mes chutes de papier, bien sûr. Et on va faire celle-ci. Donc pour cette page, je vais juste mettre une cascade normale. Donc avec 4 et puis le cinquième de ce côté. Donc celui-là, j'ai mis 16,5 sur 10,5 plus 1 cm. Donc je colle d'abord ça. Plus 1 sur 16,5. Donc pour la numéro 1, 10,5, 0,5 et 1 cm. Je ne vais pas bijouter. Là. Pour la deuxième, j'ai mis 10,5, 0,3 et 1 cm. Et je ne vais pas biseauter là. Le 3. 10,5, 2 mm et 1 cm. Le troisième, 10 cm et 1 cm. 10,5 et 1. Et celle-ci comme ceci, et on va mettre un après le matage, on va mettre un petit système de fermeture ici. Donc là, c'est 10,5 sur 15,5 plus 1, tous les 4. D'accord, je place le premier d'un bord à la limite là.
Et là, je viens mettre juste un petit, une petite pochette où on va insérer quelque chose pour nous retenir notre. Quand je colle ça, il faut pas bien aplatir, il faut juste pousser un peu. Et voilà, on a fini. Donc, je vous montre ce que ça donne pour celle-ci. Voilà, j'ai rajouté ça. Je ne sais pas si elle est dans le tuto. Donc, j'ai rajouté ceci, un système de fermeture, juste qu'on fait glisser. Et ben là j'ai maté tout simplement que le devant parce que là bon c'est pour les photos c'est et le devant c'est juste pour la déco quoi. Donc voilà maintenant voilà et la dernière et puis la dernière. Donc voilà. Même les chutes, je les utilise, vous voyez, quand c'est pas un papier complet, je complète toujours par une petite soit une petite pochette, soit un petit, une petite bande tout simplement. Donc voilà. Voilà. Et là, les petites chutes qui me restaient, il ne me restait pas un morceau complet, donc je l'ai découpé et j'ai laissé des écarts. Et là, alors, les 0,7, je pense qu'on a laissé là. J'ai mis des petites bandes de 0,5 là, là, et puis voilà. L'intérieur, j'ai pas maté parce que ça sert à rien. J'ai pas mis de gousset donc il faut laisser la place aux photos plutôt. Donc voilà. Donc voilà ceci. On a fini celle-ci. On va juste faire la pochette là et puis cette page là. D'accord, donc cette page c'est pas difficile, on va juste mater un petit coin et la pochette surtout. C'est la pochette qui était intéressante pour moi de la mettre ici. Donc voilà, on va regarder tout ça. À tout de suite le tuto. Ouf, on arrive à la dernière page. Donc on a 17,5 de largeur et 15 de hauteur. 15. D'accord. On va encore travailler cette. Et on a. Alors là, j'ai pris 15. Mais il se peut que je retire un. On verra bien. Donc, sur 15 cm sur 30. On marque la moitié et on marque un pli à 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. Donc, on plie déjà notre moitié là. Ça nous aidera. Et on va plier les plis.
Voilà, il faut qu'il soit bien aligné. Et là, on va plier sur le milieu, là. Et oui, mon papier, il est un peu trop épais pour ce genre de choses. Je dois coller ça à ça, mais avant de coller, je dois absolument retirer. Alors, vous voyez, le premier et le deuxième, ils sont parfaits. À partir du troisième, ça commence à ne pas être parfait. Donc, je prends ces trois-là et je retire 2 mm au moins. De chaque côté en biseautant comme ceci, mais attention de ne pas toucher le reste. Voilà. Et là maintenant, là il faut qu'il soit vraiment juste. Et là, ça va rentrer dans l'ordre. Heureusement qu'il n'est pas passé à l'autre. Voilà. Attention. Voilà. Voilà. Je dois couper encore un tout petit millimètre ici sur celui-là. Voilà, voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc je plie, je vais le faire avec ça parce que le ciseau c'est un danger. À peu près 2 mm de chaque côté, ou même 3. 2 mm. Comme ceci, et là vous voyez, ça ne fait plus le pli, mais pour qu'il soit égal et juste ici, j'ai encore un tout petit peu à retirer.
pourrais retirer un truc et coller sur l'autre, mais ça se voit pas de toute manière, c'est pas. Alors, on va commencer par le haut. Voilà. Faut que ce soit vraiment juste ici. Sécher doucement et on vient travailler ça. Alors, à tous les 2,5 cm, moi ma règle elle fait 2,5 cm, donc je vais tracer avec tout au bord là. Donc voilà les papiers que j'ai réservés pour la fin. Quatorze et demi. Je coupe à 14,5. 1, 17. Je m'éloigne de 2 mm. Donc, je colle cette partie-là, là, le pli vers l'extérieur, comme ça, comme ça. Je colle ici. Alors, pour ça, je dois mettre un filet. De ça ici, alors je le vois plus aussi bien ici, donc c'est ça, oui, c'est ça, et je dois mettre ça sur le côté là.
Donc là, on va mesurer cette distance-là et mettre un tout petit accordéon, pas besoin qu'il soit aussi grand. 14,7. Donc 14,7 sur 6 cm. Je vais d'abord voir ce que ça donne. On va voir. Ouais, c'est bon. Donc comme ça, je vais le mettre derrière là. Pas sur le devant, sur l'arrière. Et je colle avec mon colle normal. Voilà, et puis je viens coller ici, mais avant de coller, bien sûr, il va falloir, bon, je mate pas. Je laisse coller déjà, après, on verra bien. Donc, alors, je prépare le rabat qui va fermer ça, parce que c'est comme ça que je vais la coller, ouverture ici avec un rabat. Alors le rabat, il doit faire dix-sept et demi sur cinq, un et demi. Et je laisse. Centimètres là de l'autre côté et je trace à un demi. Donc je dois tracer avoir 3 1 0 5 0 5 0 5, 2 centimètres, 1 centimètre et demi. Je plie ça, mais sans trop appuyer, juste pour marquer. Là, et le dernier. Je mate ça, il n'y a rien de spécial à faire. Je mate ça, et c'est en décorant avec des coins et tout ça que... On va finir cette page parce que toutes les, vous voyez, c'est une bonne épaisseur, donc on a consommé toute notre épaisseur ici. Ici, on peut pas se permettre de faire un truc. Bon, ici pour celle-ci, on peut toujours rajouter, par exemple, si on veut faire la forme enveloppe, si on a qu'à
couper enveloppe et le coller sur les 2 cm qu'on a laissés. Mais tant que je ne l'ai pas encore disposé par-dessus, je ne peux pas me décider quoi. Donc, je laisse coller, je coupe mon papier tout simplement. Tout. Et je mets vite fait ma colle ici. Et bête comme je suis, ben voilà. Et oui, j'aurais dû mettre ça avant, mais il y a des choses. Et j'ai oublié, c'est pas grave, on va mettre ça et on va rajouter une petite bordure comme ça. Donc alors pour celle-ci, voilà, j'ai changé d'avis encore. Au total, j'ai jusqu'à la pointe, j'ai 11 cm, j'ai 1,5, j'ai 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 4 fois 0,5 et j'ai ici 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, et j'ai retiré ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pourquoi? Pour mettre ceci là comme ça, et on va le faire ensemble. Et pour prendre ça, j'ai calculé moins 1,5 cm, et puis j'ai fait exactement comme j'ai fait pour celui-là. J'ai pris mes repères et après j'ai coupé à 2 mm plus loin. Donc un pour le devant et un pour l'arrière. Bon voilà. Il est là. Et puis cette partie-là, bon,
avec un truc. Sauf que bon, quand j'ai voulu reprendre cette, elle n'est pas droite, donc je peux pas l'utiliser. Vous voyez, elle va en rétrécissant, donc je serai obligée de prendre celle-ci plutôt. Elle fera aussi bien. Donc voilà, donc avec un petit truc là et un fil ici, je pense que je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir. Là, il me reste plus maintenant que couvrir. Je vais rien décorer ici. De toute manière, vous verrez tout pendant la présentation. Donc voilà notre album. Il est bien gros quand même. Il est bien rempli. Il y a un où j'ai pas consommé tout le 1 cm d'aisance que j'ai. C'est tout. Sinon, le reste, c'est bon. Ici, il faudra que je remette un peu de colle. Mais une fois que j'ai fini, pour le laisser bien coller. Donc voilà, ben j'espère que j'ai tout bien expliqué, quoi. Il y a des choses que je n'ai pas montrées, mais c'est tout simplement parce que c'est trop simple, donc c'est pas difficile à savoir, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.